Bienvenue sur Decastro TV et comme vous le savez, Decastro TV est une chaîne qui a double mission. La première, c'est de vous informer. La seconde, c'est de vous former. Donc, ça veut dire, l'en papoter information pour nous, n'a besoin de formation. Chers amis, comme vous voyez dans le titre, jouer du piano et sans connaissance particulière de solfège, attention, je ne vais pas vous parler de la théorie musicale, je ne vais pas faire un cours sur le solfège, mais je vais vous montrer des accords pratico-pratiques adaptés à une situation bien spécifique. Et c'est avec ces accords, vous pouvez jouer des centaines de chansons. Donc, si vous avez un piano chez vous, commencez dès maintenant. Et c'est parti. Dans le plan, on va voir les catégories de touches sur les claviers, montrer les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, créer des accords de Do majeur, La mineur, Fa majeur, Sol majeur. On aura une petite démonstration. Dans le clavier, il y a deux catégories de touches, les touches noires et les touches blanches. Dans les touches noires, il y a un groupe de deux touches et un groupe de trois touches. À noter, le Do est toujours à la base du groupe de deux touches. D'abord, c'est quoi une note? C'est un simple symbole qui représente les deux principaux paramètres d'un son, à savoir sa hauteur et sa durée. Exemple, voici les notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, ce sont les notes. Dans cette partie, on va vous donner la méthode universelle pour créer des accords. Que dit cette méthode? Pour créer des accords, il faut avoir deux chiffres, le 4 et le 3. Pour illustrer, pour faire un accord en Do majeur, on part de Do, puis on compte 4 touches pour la deuxième et 3 touches pour trouver la troisième. Et ça va vous donner l'accord de Do majeur. C'est comme ça que vous allez faire pour tout le reste.
Donc, je vous dis merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.